Allez, on repart, Poli. Poli, Poli, on y va. Poli? Non mais sérieux là? Quel attardé. Salut tout le monde, c'est Yu. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 32 de notre let's play sur Mafia. J'ai failli dire Tomb Raider, lol. C'est notre let's play sur Mafia. Lors du dernier épisode, nous étions sur un coup, pardon, de vol de cigares et nous étions en train d'essayer de faucher un camion pour pouvoir nous infiltrer, de faucher un camion et les papiers du conducteur également pour essayer de nous infiltrer dans le port. Donc c'est le dernier épisode, c'était conclu par un fail de ma part. Donc nous reprenons juste devant le port où nous allons prendre en filature le camion et nous allons tester une nouvelle stratégie que j'ai imaginée pendant 16 jours de repos. Ok. On va l'attendre. Vous voyez, il est déjà sur le radar et tout. Il va arriver, il va arriver. J'ai baissé le son de la musique entre les deux épisodes parce que je me suis rendu compte que c'était assez chiant. Ok, nickel. On est reparti. Salut. On te suit pas du tout. On va éviter de lui rentrer dedans comme on avait fait la dernière fois. Surtout qu'on est trop pas suspect si on l'attend à l'entrée du port. Et j'ai baissé la musique aussi pour une deuxième raison également. C'est que j'ai beaucoup trop de... Sur cette série, sur Mafia, j'ai beaucoup trop de problèmes de droits d'auteur parce que les musiques utilisées sont des musiques assez connues. Donc j'ai beaucoup de problèmes par rapport à ça, donc du coup bah, j'ai baissé le son de la musique. Oh attention, il va freiner d'un coup, je vais me faire baiser. Non? Tu veux pas? S'il veut, voilà, c'est là d'habitude que je me fais avoir. Je ne sais jamais pourquoi il s'arrête, mais il s'arrête. Alors la technique que je voulais essayer, c'est de l'attendre, tout simplement. Parce que je me dis... pour l'instant, il rentre, mais il va bien sortir à un moment donné, on est d'accord. Donc je me dis que... Wow, il est très pressé, ce camion. À un moment donné, il va sortir. Donc on va l'attendre à l'entrée, là, et on va voir s'il va sortir. Et pour aller peut-être à un autre endroit, ou pour retourner vers le port. S'il retourne vers le port, c'est con. En tout cas, on peut pas le faucher ici, donc on va attendre. Très belle vue, pas du tout. On va se mettre juste là, peut-être pour pouvoir... Voilà, j'accélère pour pouvoir voir où ça en est, niveau chargement, pour pas se faire trop chercher non plus. Normalement ici, il devrait pas y avoir trop de monde. J'espère qu'ils vont se dépêcher. Normalement, ça devrait pas être trop long, ils sont deux. J'espère. Allez. Oh, le mec, c'est un... Vous avez vu, le mec, c'est une racaille, il saute et tout. Je sais pas s'il faut faire ça. J'espère. Enfin, en fait, ça va être long s'il faut faire ça, mais bon. Bon, ils sont deux, ça devrait être rapide. Allez, allez, allez. Je veux savoir où il va après. Pareil, il va aller au port et ça va être un fail. Mais il faut que j'arrive à l'intercepter. Et ici, cette ruelle est le seul endroit où on peut l'intercepter. Mais le problème, c'est que cette ruelle est assez gardée et cette ruelle n'est pas un coin peinard, comme disait Monsieur Poli. Il nous faut un coin peinard et ce n'est pas clairement pas le coin peinard qu'il nous faut. Ah, nickel. On va se mettre sur le bord de la route. Je suppose qu'il va repartir par là-bas. Ok. On va voir où il va. On va voir où il va. Limite, au pire, on le réattendra. Mais je veux savoir où il va. Au pire, je ferai une ellipse ou n'importe quoi. Bref, bref, bref. Je veux savoir où il va. Est-ce qu'il retourne au port? C'est la question que je me pose. Ce qui est complètement possible et complètement logique en même temps. On va voir. Mais s'il retourne au port, ma mission sera fail. C'est bon. J'essaie quand même de préserver la voiture. Oh oui. Oh le mec, tellement pressé ce camion. Et merde. Oh le mec, il s'est coincé tout seul.
Ah, c'est pareil. Et Polly, tu m'aides pas? Eh merde. C'est bien parce que sa mission est fail. Oh non. Cette mission, elle a l'air assez dure. Moi, la préparation de la mission. Et moi, un pote, s'il est à côté. Oh non. Bon, allez, 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 on y retourne. On va attendre ici qu'un camion réplique. Puis on va essayer de le prendre en retour cette fois. Parce que il prenait la direction du. Prenait la direction du. Comment on dit? Du port. Donc, on va essayer de le prendre en retour. Je le sens bien, je le sens bien. Comme d'hab, on se remet à cette vision. On va tenter. On va tenter, même si je le sens pas forcément bien. Faudra aussi que je sorte mon calibre. Parce qu'on sait jamais si le mec. Si le mec qui est devant la porte me veut du mal après. On retourne, donc on va laisser décharger ses caisses, encore une fois, il va falloir encore un peu attendre. Mais on va laisser décharger ses caisses. Et puis au moment où il repart dans la ruelle, ben là on le bloque et on essaie de le. Ah, il va se décaler vers la droite. Non, même pas. Là on le bloque et on fauche son camion plus ses papiers d'identité. J'ai l'impression qu'il y a plus de flics dans la rue pendant cette mission, ça m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Hop là. Allez, avance. Avance, petit camion. Bon, va encore falloir attendre, mais finalement, ça n'a pas été très long, ça n'a pas pris plus d'une minute. Encore un policier sur le bord. Et merde. Bon, c'est bon, ça nous laissera le temps de décharger sa marchandise. Vas-y, je paye mon amende, tout ça, j'avais oublié. Oh, le mec il est bugué là. Le mec il est bugué à droite. Oh, le camion aussi s'est arrêté. Tout le monde s'est arrêté. Ah, d'accord, ok. Bon, j'ai cru qu'il allait avancer en fait. Quand tu te prends un PV dans la vie, le monde s'arrête. Ah non, pas du tout en fait, j'ai fumé. Il est reparti. Oh là là. Allez, on repart, Polly. Polly, Polly, on y va. Polly. Non, mais il est sérieux là? Quel attardé. Allez, démarre, démarre, démarre. Salut, espèce de flic de merde. Pardon. Je n'étais pas en train d'insulter les policiers, ok, on est d'accord. On va direct se mettre au travers de la route. Je suppose que c'est là, hein, tout de même, qu'il faut l'arrêter. Je pense. Ce serait complètement logique. Il est déjà rentré. Donc on se prépare. Oh, j'ai un bug. Bon, après, je sais pas comment on va sortir, mais on aura le temps de bouger la voiture, la bagnole au pire. Ok, je suis chaud, je suis chaud. Est-ce que si on se met là, parce que le truc va être là, ouais, non, non, normalement ça passe. La voiture est plutôt bien garée. Je suis bon pour faire des. On peut monter? On peut monter sur la bagnole. Je suis bon pour faire des barrages. On va essayer de pas le tuer parce que comme disait Polly dans le dernier épisode, c'est pas nécessaire de le tuer. Donc on va éviter de le tuer. On va éviter de le tuer. On va voir ce qu'il fait. De toute façon, il va être bloqué, donc on peut y aller. On a perdu un point de vie. Je pense pas que ça va être vraiment très chiant. Ça va être rapide. Il y a combien de caisses encore? Vous n'avez rien à faire là. Nickel. Viens, Polly. Viens mon ami Polly, on rentre devant la voiture. Il me suit, nickel. On rentre devant la voiture et on va lui faire une petite surprise à notre ami. Allez, viens mon pote. What? Il y a eu des étincelles cheloues. Pas grave, allez, viens mon pote. Ce n'est pas du tout un barrage routier. Oh non, ma voiture a un problème, elle est coincée au milieu de la route, fonce pas dedans. Voilà. Tiens, parce que moi ils savent pas viser. C'était pas nécessaire. Je vais retrouver ça, mais on t'attendra. Bonne chance. Il n'y a pas besoin de. D'accord.
Allez, salut, à plus. Bon, ok, c'était pas nécessaire non plus, mais mais tant pis. Allez, à plus, c'était sympa. J'ai quand même touché, il a pas perdu de vie, le mec, il est trop fort. Il y a encore la musique stressante en fond. Bon, du coup, on l'entend moins vu que je l'ai baissé. Bon, je pense que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, hein. Bon, on va aller au port, on va voir comment ça se passe au port. Bah, j'avais pas très bien compris. Attends, pas d'accident. Lui, il a pas de clignot, lui. Tranquille, au KLM. On a des armes au cas où. Ouais, on a une autre arme qui est pas rechargée, il faudra le faire. Si jamais, comme ça, on est dans la merde là-bas, on a de quoi tirer, quoi. On a de quoi tirer sur les gens. Et on a de quoi survivre. Allez, le port de Lost Haven. Le port, vraiment, il y a des missions vraiment chiantes, hein, dans le port, on est d'accord. Je vous ai demandé votre permis. Bah oui. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Mais si, j'ai le droit. Hein? Mais je les ai mes papiers. Je les ai pas? Je crois que j'aurais pas dû le tuer en fait. Je déteste cet endroit. Cette fois-ci, c'est sûr. Je crois que je peux pas y aller. Je crois pas que je puisse y aller. Ouais, voilà. On est d'accord. Il me tire dessus. Ok, les gens. On va faire une petite ellipse. Et on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Hey, re tout le monde. Alors, c'est bon. J'ai récupéré le camion. Je me suis juste mis un peu plus loin. Ça fait juste une tentative. Et en fait, c'est bien ça. Il fallait bien récupérer les papiers d'identité. Sauf que tout à l'heure, quand je l'ai récupéré, il y avait plusieurs trucs, genre des flingues et tout, qui me gênaient. Là, c'est bon, j'ai récupéré les papiers d'identité. On peut y aller tranquillement. Et normalement, ça devrait passer. Logiquement, ça devrait passer tranquillement. Donc, on va y aller. Ok. Bon. Maintenant, on commence à connaître l'endroit du port. Mais on a les papiers d'identité cette fois-ci. C'est ça qui va faire la différence. Alors, attention. Bonjour. Et merci Jean-Eudes, on a réussi. Nickel, génial, parfait. Parfait, parfait, parfait. Il nous reste à peu près 10 minutes de vidéo, on pourrait. Tout, 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 tout. Faut que j'aille où? Ah, c'est là, je crois. Non, en fait, non, je ne sais pas du tout. Il n'y a pas une petite croix, il n'y a même pas une petite boussole. Ah, c'est ça! Il y a des caisses. Attends, on va voir. Oups. C'est ça, Scorsese. C'est ça, c'est ça. Il faut transporter ces caisses dans le hall d'expédition. Je vais pisser, j'espère que ça sera fait à mon tour. Oui, chef. On peut pas le tuer, lui. Et merde. Je suis grillé. Tue-moi, 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 tue-moi. T'as arrêté de me tuer? Oh, je crois que tu veux le plus me tuer. Ah si, quand même. Bon, tue-moi, 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 tue-moi. On va reprendre, on va reprendre. Voilà, merci. Il y a un mec quand même qui s'est fait tuer à cause de moi là-bas. Bon, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais le tuer à la batte. Donc, ok, nickel.
Et bonjour. En fait, je voulais pas. On peut pas faire. Ouais, on peut. On va sortir avec la batte de baseball, hein, tant pis. C'est pas François qui va nous faire du mal parce qu'on a une batte de baseball là. Scorsese. Voilà. Il y en a beaucoup quand même. Restez planté là. Faut mettre un bon coup aujourd'hui. Il faut transporter ces caisses dans le hall d'expédition. Je vais pisser, j'espère que ça sera fait à mon tour. Oui. Pas trop suspect, mec, il a une batte de baseball dans la main. Oui. Non! Ta gueule! Ok, c'est mort. Attends, on va attendre qu'il pisse en fait. Faut qu'il me tue. Tue-moi, tue-moi. Tue-moi. Merci. Alors, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Oh. C'est honteux, c'est n'importe quoi. Vas-y, je vais trop vite dans le port et tout, aucun respect. On va attendre qu'il pisse. Je sais pas s'il va être protégé, vu qu'il est protégé pendant qu'il pisse. C'est... Mais là, en fait, j'étais juste trop grillé, en fait, tout simplement. On va se mettre bien et tout. Voilà, nickel. On est bien garé et tout. Et salut. On va pas passer cinématique. Oups. Où allez-vous? Pourquoi vous restez planté là? On peut pas passer? Bon coup aujourd'hui, il faut transporter ces caisses dans le hall d'expédition. Je vais pisser, j'espère que ça sera fait à mon tour. Oui, chef. Va pisser. Va pisser, mon pote. T'inquiète pas, je te suis. Il est où? Vas-y, pisse, mon pote. Je crois que je suis pas grillé en plus. Parfait. Non, mais sérieusement? Comment ils peuvent savoir que. Non, mais vous êtes sérieux? Bon, alors c'est pas ça du tout. Tue-moi. Je suis pas chaud pour faire une autre mission dans la. Une autre mission de fight dans le port. Ok, allez, il nous reste 4 minutes, faut qu'on trouve. Il y avait des gens, on va peut-être parler aux gens, on sait jamais. On va peut-être parler à des gens. Parce que à mon avis, le gens qui pissent, on n'aura jamais le temps de finir. Attendez. Et puis on sera grillé et puis on va mourir. Donc autant. Je sais pas. Je pense qu'il y a une autre solution que de prendre les caisses, ce serait beaucoup trop simple, hein, c'était ça. Maintenant, on commence à connaître le jeu, hein, clairement. Voilà, nickel, on sort. On fait partir le mec, il va pisser, tout ça, tout ça. On cache notre arme, on n'en a pas besoin, enfin, on n'en a plus besoin. Mais encore, on a tué le mec. On progresse lentement, hein, on empêche. Allez, tout ça, tout ça. On sait que tu as pissé, tout ça, tout ça. Restez planté là. Faut mettre un bon coup aujourd'hui. Il faut transporter ces caisses dans le hall d'expédition. Je vais pisser, j'espère que ça sera fait à mon tour. Oui, chef. Ok, donc je vais faire ça. Les gens qui sont là-bas, à mon avis, ils sont pas là pour rien. Salut les gars, je peux faire quelque chose pour toi, les gars. Il faut porter ses caisses au hall d'expédition. Ok, alors au boulot, les gars. Y a pas d'autres gens? D'accord, mais je suis pas payé pour faire ça, en fait.
Ok les potes, on va faire ça. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, mais en tout cas moi je m'éclate à faire ça les gens. C'est marrant. Ça va, à 3 on devrait... Ouais non en fait, non, que dalle. Peut-être qu'une fois qu'on aura fait ça, ils voudront peut-être m'aider à faire autre chose. Allez-y! Je sais pas combien de temps il met pour pisser le mec, mais j'espère qu'il met longtemps. Ah, il est là. C'est clairement pas ça qu'il faut faire en fait. Ces gens ont quelque chose à... Peut-être qu'il va partir. On va voir. On va faire ça, je suis chaud. Bon, l'épisode dure un peu plus longtemps aujourd'hui. Cadeau. Parce que j'aimerais bien avancer dans cette mission que ça fait 2 épisodes qu'on est dedans et on n'avance pas. Donc, il va être un peu plus long. Moi, pour moi, il va repartir et on va pouvoir à eux leur demander de nous aider là-bas aussi. Donc, on va faire ça pour le moment, on va faire le travail de larbin. Ce sera le titre de cet épisode, travail de larbin. Ben, c'est clairement ça, travail de larbin. Hop. Bon, voilà, vous savez ce qui vous attend si vous allez travailler au port, les potes. Voilà, il y avait un bug avec la caisse. Au pire, je pourrais les laisser faire, lui. 3 dernières caisses. Nickel. Les 3 dernières caisses vont être mises maintenant. C'est nickel. Bon, après, les potes, ils vont m'aider quand même à mettre les autres caisses, quand même. À un moment donné, il faut... Tu vas m'aider, toi? Et toi, tu vas m'aider? On va retourner voir... Oh! Tu t'en vas? Attends, je vais essayer de lui reparler à lui après. Attendez, là je suis paumé là. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Tu reviens là-bas? Oh. Tu veux pas t'en aller, t'es sûr? Chef, les gars du train ont besoin de vous. Ils ont des problèmes. Ah, j'aurais dû m'en douter. Dès que je tourne, oh oui. Tout le monde tire au flanc. Allez, rush. C'est ça. Allez, on rush. Allez, venez m'aider les potes. Salut les gars, je peux faire quelque chose pour toi? Non, rien. Alors fais pas chier. Non, rien? Sérieusement, si, tu peux faire quelque chose pour moi. Bon, on va voir si on a le temps de le refaire. Mais ça m'étonnerait, hein, sans les potes. Mince. Bon, j'y arriverai pas, c'est mort. Je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode et on fera ça au prochain épisode, les gens. On peut pas lâcher la boîte. Ah oui, c'est bon. Faut juste que je recule la voiture. Voilà, nickel. Faudra que je mette ça direct, tout.
Je vais tellement me faire griller. Bon, ça passera pas, hein, les gens. Je vais voir si maintenant que j'ai mis, ils peuvent m'aider. Ça m'aidera pour le prochain épisode, au pire. Ça m'aidera pour le prochain épisode. Et les potes, vous venez m'aider? Salut les gars, je peux faire quelque chose pour toi? Non, rien. Alors, oh, merde. Bon. Mais je pense pas que j'aurai le temps de tout faire en fait. Je pense qu'il va déjà être là. Oh. C'est pas moi. Mais qu'est-ce que vous faites? J'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Sortez-moi vos papiers. Montrez-moi vos papiers. Quoi? C'est vous, Peter? Ça m'étonnerait. Garde! Gardien! Garde! Oh, MG. Je pense pas que j'aurai le temps, quoi qu'il arrive, en fait. Bon, tuez-moi. On fera ça au prochain épisode. Bon, on va finir sur une belle mort encore, comme le dernier épisode, sur un bel échec. Ok, donc on sait ce qu'il faut faire. On reprendra pile au même endroit. Retour au menu principal. Ok, merci les gens, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner et à partager la vidéo. On se retrouve dès vendredi pour ma prochaine vidéo sur Tomb Raider Legend. Le mec qui parle en anglais maintenant. Et dès lundi pour la suite de Mafia. On espère que ça marchera mieux la prochaine fois. Merci à tous et bye tout le monde.